De toute façon, non, hein. Donc c'est bon. J'ai un pantalon qui a changé, mais il me l'a fait essayer. Bon, eh ben, très bien, vous êtes au top. Nickel, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, bah, je suis entre l'organisation et entre le modèle, donc là c'est un peu compliqué, mais on gère. Tiens, Fanny, oui, tu disais. Ça se passe plutôt bien, oui, oui, c'est un peu la course. C'est vrai que j'aime bien prendre mon temps habituellement pour maquiller, mais on s'en sort plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est intéressant de lui garder. Elle a, tu vois, elle a des beaux cheveux. Je pense que c'est pas trop. Ah bah décidément, Shakira, elle revient. Elle revient celle-ci. Mais j'aime bien Shakira. Ça va pas se passer. Ça va pas les dissocier, je crois. Ils vont ensemble, donc le tout c'est de trouver et puis aussi de la rendre belle en fait. L'idée c'est juste qu'elle soit belle. Là, elles sont en train de faire les essayages tenus. Et nous, au niveau du cheveu, il faut vraiment qu'on rende la fille magnifique. Le but c'est ça. Donc il faut essayer des trucs, il faut regarder. Je fais des petits tests, je relève un côté, on relève les deux. Et c'est vraiment hyper important de les rendre magnifiques. Donc c'est ça la priorité. Ah, en fait. Bien, bien. Ah oui. Mais un blush et un peu de brillant sur le. J'ai eu un premier défilé avec Miss Cinéma, mais un défilé comme ça pour des créateurs, c'est mon premier. J'ai un peu stressée, mais ça devrait bien se passer. Oui, c'était le premier défilé et tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'on avait le droit d'inviter des gens et donc ça nous rassurait en quelque sorte d'avoir voilà, des personnes connues, enfin qu'on connaissait dans le public. Et puis c'est sympa, bon après ça passe très vite, chose que j'aime bien en tout cas. Belle, donc il y avait vraiment tous les styles, il y avait style africain, style un peu plus rock gothique, il y avait robe de soirée, donc vraiment une panoplie assez large et voilà, ça faisait un beau défilé, enfin un beau rendu en tout cas à la fin, enfin, je suppose. Je pense que ça s'est bien passé, on espère, mais en général tout s'est bien passé, on était motivés à ce que ça se passe bien, donc je pense que ça s'est bien passé. Alors franchement, c'était de très très jolies pièces, autant les robes que les ensembles qu'on a portés, donc on a beaucoup de chance. Du coup, pour moi, c'était pas le premier, mais le premier en tant que Miss, et c'était vraiment une expérience différente et très très sympa. J'ai vraiment passé un bon moment. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et au final, non, moi, pour ma part, en tout cas, c'était vraiment un réel plaisir. Je me suis éclatée. Et c'est un avant-goût, en fait, de l'élection qui va se passer le 14 octobre. Donc non, top. Génial. Voilà. Et je l'ai trouvé super cool. Il y avait de la musique, il y avait beaucoup de gens, il y avait ma famille. Donc du coup, c'était déstressant et sympa. Si je peux vous montrer la robe que j'ai portée. Ouais, c'était celle-ci. Ça vient de chez Idrissit. Donc c'était super agréable à porter. Dans le dos, c'était un beau décolleté. Donc voilà. Et la couleur me va ravir. Donc voilà. Sympa. J'ai beaucoup apprécié le défilé, c'était vraiment super avec les filles, enfin, on était assez pro, bien coordonnées. Après c'était pas mon premier défilé, je travaillais pour Elite avant, donc plutôt l'habitude, mais c'était des créateurs que j'avais jamais portés, donc belle découverte. Donc plus ou moins mon style, mais justement c'est marrant de jouer avec tous ces différents styles, et vraiment des très belles robes de princesse, comme des styles un petit peu plus rock et agréables à porter et à défier avec. Et c'était vraiment superbe, enfin, ça nous a permis de nous rapprocher entre les filles et puis de nous amuser, donc c'était vraiment cool. J'ai porté cette tenue pour ouvrir le bal et c'était vraiment super, elle est très jolie. J'ai adoré. Et puis là, c'est le premier vrai défilé de grands créateurs. Moi, c'est également le deuxième. J'ai déjà fait un défilé il y a longtemps et c'est vraiment le premier pour de vrais créateurs aussi. Vraiment très, très belle. Idrissit, qui est le partenaire d'ailleurs de Miss Île-de-France.
Donc on sera habillé également avec des robes hydressées. Alors le défilé s'est super bien passé, on s'est tout amusé. Pour moi ça a été vraiment un défilé, ça a été un avant-goût de l'élection de Miss Île-de-France. Donc franchement, on s'est toutes bien amusées. C'était cool. Pour moi c'était vraiment magnifique. D'ailleurs j'en ai porté deux, et pour celle-ci, super belle. Celle-ci. Voilà. Vraiment pailleté et tout ce qui représente Nice, donc c'est super. Alors franchement ça s'est super bien passé. Au début j'étais un peu stressée parce que je suis toujours stressée et non ce n'est pas mon premier défilé parce que en plus d'aujourd'hui j'ai déjà participé à des élections. Donc Miss Cameroun France, j'ai été Miss Cameroun France l'année dernière et là je suis première dauphine Miss Paris pour Miss Île-de-France. Donc même si c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quand même stressant parce qu'on sait que tout le monde nous regarde, des inconnus, mais notre famille aussi. Donc on veut vraiment être parfait et ne pas décevoir le public. Alors moi j'ai adoré toutes mes tenues. Franchement, elles étaient superbes. Idrissit, les robes de Martial, les robes de Teddy. Eh ben, les communs. J'ai porté celle-là. La couleur, elle est très bien avec, avec mon teint. Ça brille un peu dans le dos. Super joli. Donc voilà, je suis satisfaite. C'est très bien passé. Donc cette fois-ci, j'étais à la fois modèle et à la fois organisatrice. Donc je n'étais pas du tout stressée par rapport au défilé ou quoi que ce soit, tomber, ça c'est fini. Mais il y avait un autre stress, celui de savoir si toutes les filles étaient correctement habillées, si l'étiquette ne dépassait pas, si la coiffure allait. Et au final, elles étaient toutes nickel. Et, on est vraiment contents de cet événement. L'hôtel nous a très bien reçus, les créateurs ont été géniaux. Et non, ça s'est très bien passé. Donc moi je suis la présidente de la délégation de Miss Île-de-France, donc depuis donc j'entame ma quatrième année maintenant. Donc c'est vrai que réaction à chaud sur le défilé, c'est une première pour moi, ce défilé pour la Fashion Week. C'est important que les candidates et les Miss fassent un événement comme celui-ci. On essaye de développer au maximum tous les ans pour que l'Île-de-France brille et qu'on aille au plus loin possible à Miss France. Donc c'est vrai que ça passe aussi par ce genre d'événement, ça passe par un entraînement, ça passe par de la visibilité et je suis contente d'avoir offert cet événement aux filles qui repartent avec des étoiles dans les yeux et ça c'est mon plus beau cadeau. Je travaille sur le costume de tailleur, hommes et femmes, avec des mélanges d'influence asiatique et du tailleur londonien. Donc il y a de l'origami, il y a des côtés très amples, des côtés très cintrés. Et voilà. Laure a fait appel à moi puisque j'ai habillé la robe Île-de-France, de Miss Île-de-France, qui désirait un tailleur. Et donc c'est un tailleur avec une grande traîne et les effigies de Paris. Les armoiries de Paris ont tout pur derrière la traîne. Donc le public, si j'ai une petite chose à rajouter, on a vraiment besoin, le comité Miss Île-de-France, en tout cas une fois que Miss Île-de-France sera élue, dans 10 jours, le 14 octobre prochain, notre Miss, si elle est dans les 12 finalistes, c'est le public qui réussira à l'amener jusqu'à la plus haute marche, celle de Miss France. Et c'est vraiment, ça passe par vos votes, ça passe par une belle communication. Et c'est vrai que l'Île-de-France, on a vraiment envie que vous essayiez d'avoir une vraie identité francilienne.
pour qu'on puisse gagner, voilà, que la région Île-de-France soit vue et revue et qu'on puisse faire briller notre belle candidate qui sera élue prochainement sur la plus haute marche. Donc on a vraiment besoin de vos votes. Donc mobilisez-vous avec nous s'il vous plaît.